Bonjour à tous, c'est Robert 87000, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer au premier playoff de l'année. Et pour rendre les choses un petit peu plus difficiles, comme si ça l'était pas déjà, forcément tout le monde n'a pas eu encore assez de points pour pouvoir aller faire les playoffs. Je vous rappelle qu'il faut 1250 points à Rivas. Et bien en plus de ça, le chat a trouvé bon de faire un petit sub-goal pour rendre les choses avec un peu plus de piment. Voilà l'équipe avec laquelle ils ont décidé qu'on joue. Oui, l'équipe est très sympa, mais c'est une full OM avec évidemment les deux cracks que sont Mbemba et Suarez en version SBC, la duo dynamique. Comment te dire, c'est bien, mais quand je vois les équipes qu'il y a déjà, ça va pas être évident. On est parti pour se qualifier au playoff avec une full OM. C'est pas gagné. Ah non, je te dis, c'est pas gagné. En tout cas, si t'aimes les défis, n'hésite pas à laisser le like sur la vidéo, à la partager si vous aimez l'OM, à la partager si vous n'aimez pas l'OM, à me le dire en commentaire. En tout cas, merci à tous pour le soutien et pour ce très bon début d'année FIFA 23. Merci à tous pour votre soutien. Je vous laisse découvrir ces playoffs de la galère et de la galère. Allez l'OM, et c'est maintenant. Est-ce que vous êtes prêts à subir la déconvenue? Moi, je sens la déconvenue arriver. Hein. La grosse déconvenue, les gars. Oh, il y a un jeu le con. Oh, Dimi, fais attention à toi, Dimi. Oh, c'est moi qui marque quasiment contre mon camp, les gars. Je crois que c'est 4, quoi. Le retour du compteur fut champion, exactement. Boum. Oh, Dimi, il faut marquer. J'ai eu plus de caisse que lui, Dimi. Non, c'est pas possible. Boum. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Allez, le 2, le 1 partout. C'est ça, Moharit. Boum. Boum. Frappe terrible. Ah, la mauvaise relance de sa part, merci à lui. Il me doit remettre sur Harit. Le doublé d'Harit, le doublé. Oh, je l'ai bien bougé. Qu'est-ce que tu me fais? C'est quoi cette vieille profondeur? Il part tout droit. Putain, fais chier. Allez, 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 tu le manges. Tu le manges. Le centre. Le centre, la tête, la reprise. Non, mais pourquoi tu tentes quelque chose de compliqué comme ça, Sanchez? Non, j'ai pas de bol, j'ai pas de bol. J'ai tellement pas de bol dans ce match. Et 1-0, on savait hein, que ça serait dur. C'est dommage, hein, parce qu'on l'a quand même bouffé. On voit bien 14 tirs à 4, on avait beaucoup plus d'occasions que lui. Malheureusement, la finition avec l'OM et même hein, les profondeurs. Je sens que ça va être compliqué, Jean-Pierre. Hein. Je sens qu'on va être en 0-5, ça va pas bégayer longtemps. Off, ça va être compliqué, hein. Je vais pas te mentir, ça va être compliqué, là. Allez, gagne 12. Allez, gagne 12. Voilà, gagne 12. C'est ça, mon gagne 12. Oh. Vas-y. Oui, mon champion. Oui, mon champion, le 2-0. Ça se passe, la mouille. Oui. La frappe terrible. Bien sûr, monsieur. Très belle passe. Très belle passe, c'est ça, mon Suarez. C'est ça, mon Suarez, c'est ça, mon Suarez. Et oui, non, cette fois-ci, on a la vue, monsieur. On a la vue. On a tout vu, monsieur. Cette fois-ci, pas deux fois. C'est le grand, l'immense. Bon, on aurait gagné un match en playoff, les gars. On aurait gagné un match. La bonne passe. Et boum, hein. Voilà, Suarez. Voilà la 45e. Merci la 45e de nous aider. Là, clairement, c'est le but de la 45e, les gars. Le ballon nous revient dessus. Il a décidé de perdre tout seul. Il avait sûrement la possibilité de remonter le ballon. Tant mieux pour nous. Hein. 2-1, les gars. 2-1. Je sais pas ce qu'il a fait, là. Je sais pas s'il avait vu qu'il avait encore le temps juste de remonter le terrain. Je perds le ballon à la 90e pile. En une minute, il a le temps d'être dans ma partie de terrain et que ça siffle pas. Ouais, je sais que j'ai remis le cross-platform. C'était pour tester un petit peu, quoi. Il a eu peur, quoi. Plus que 2 victoires. Oui, mais ça va être les plus durs. Là, on est en positif, donc ça va être compliqué, les gars. Boum. Voilà, mon Suarez. Qui c'est qui a osé dire que t'étais lent? Qui dans le chat a dit qu'il était lent, là? Oh oui! C'est pas le meilleur, mon paillette! C'est qui le meilleur, monsieur? Mais pourquoi mon gardien est déjà par terre? Pourquoi mon gardien est déjà par terre? Mais comment c'est possible? On va perdre contre lui, ça me saoule. Allez! C'est pas fini, Jean-Pierre! C'est pas fini! Terrible!
Bon, 2-2 les gars, 2-2, ça va être très compliqué les gars, ça va être très 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 compliqué. Parce que si on gagne pas ce type de joueur face à des adversaires aussi faibles, j'imagine même pas qu'on ait des adversaires meilleurs les gars. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Les stats parlent pour moi les gars. Je peux même pas changer de joueur. Oh putain. Et Lopez, il est toujours couché du mauvais côté, les gars. Lopez, il est toujours couché du mauvais côté. Qu'est-ce que tu fais, Lopez? Pourtant, je donne tout, hein. Je vous promets que je donne tout. Hein. Dieu sait que je donne tout, les gars. Dieu sait que je donne tout. Hein. Si on avait été en 3, on aurait été tellement bien. On se perd ce match. C'est bon, la qualif? Ah bah, non, on est en 2-3. Non, c'est pas bon, la qualif. Putain, regarde ce nombre d'occasions. On est encore largement au-dessus de lui. Mais la finition, on doit gagner 3-2. Allez, encore. Le centre. La tête! C'est pas humain ce qui est en train de se passer. Je crois que c'est pas le rééquilibrage qui existe. C'est le rééquilibrage inversé en gros. Attends, ça favorise que les grosses teams, les gars. C'est pas possible, là, on est en train de se prendre au douille sur douille, là. Alors, on est en train de se prendre douille sur douille, les gars. Allez, elle est superbe, monsieur! Elle est superbe! L'altruisme, là! On l'avait anticipé de je sais pas où, là! On était dessus, monsieur! Boum! Voilà, monsieur! Voilà! La sérénité, monsieur! Le 3-3! Bien sûr, monsieur! Voilà! Voilà, Suarez! Voilà ce qu'on te demande depuis tout à l'heure! On veut la finition! Ouais, bien défendu, ça, mon Guendouzi! Voilà! Et Payet! Mais oui, Marc! Qu'est-ce que tu fais? Et voilà, la musique de la joie! On se qualifie pas avec Marseille, nous, monsieur! Ok, il y a du Mané, il y a du Rafinha, il y a du Werner, belle équipe. Belle équipe pour commencer, les gars. Tu remets? Oh! Oh, ma paillette! La retournée, ouais, c'est bien joué, les gars. Le 5-3, musique de la joie. On a des finales pour les 6 victoires, les gars. C'est incroyable, si on m'avait dit que j'aurais une finale comme ça, j'aurais pas cru, les gars. Tout seul, hein. Mais non, mais il marque, mais c'est quoi cette frappe? C'est quoi ces frappes, les gars? Vous avez des problèmes aujourd'hui? J'ai la manette qui est en PLS ou c'est parce quoi? Allez, capitaine! Non! Vous faites quoi, les gars? Vous faites quoi? Attention à profondeur. Oh, les pénaltys, c'est pas mérité, les gars. Les pénaltys. Attends, on bouge partout. Il va tirer à droite. Ouais, il la loupe en plus. Oh là là, c'est bien tiré. Je te mets une minace. Voilà! C'est ça, mourir et tout. Fatigué ou pas fatigué, il est là. Il va tirer à gauche. Oh, il a remis au même endroit. Ah, putain, je suis un monstre quand même. Oh là là, mais elles sont trop molles! Putain, mais Alexis! Oh putain, il tire de l'autre côté cette fois-ci. Boum! Allez, au centre cette fois-ci. Je suis désolé pour la pub, les gars, j'y peux rien. C'est pas moi qui décide quand il y a les pénaltys, hein. Oui, mon pot. Je retire au centre. Boum, au centre encore. Allez, je sortais que j'étais dans sa tête. Allez, faut l'arrêter, mon pot. Il attire en force cette fois-ci. Il attire en force. C'est qui? C'est Guendouzi. Il est fatigué, les gars. Et oui, monsieur Guendouzi, le grand, l'immense, le génialissime Guendouzi. Bon, je suis désolé pour ceux qui ont eu la pub, les gars. Je fais pas exprès que la pub, elle tombe chaque heure, les gars. Je suis désolé pour ceux qui ont eu la pub. Oh, le grand Guendouzi qui rentre dans les mémoires. On l'aura fait. Les 6 victoires, monsieur. Oui, moi aussi, j'arrive pas à marquer, mais quand même. Allez, vas-y. Oh, je suis grand seigneur, les gars. Je suis grand seigneur. On s'en fout, on a fait les 6, les gars. On a fait les 6. C'est l'essentiel. C'est comme Lactel. Combien de victoires? Ben 6, les gars. 6. 6 avec l'équipe de Marseille, les gars. Vu comme c'était parti hier, je vous rappelle qu'on était en 2-3. Ben, je pensais pas qu'on l'aurait fait. Après, je trouve qu'on n'a pas été en difficulté, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas qu'on était en difficulté, hein. Est-ce qu'il y a vraiment un match où on s'est fait bouffer? Non. Hein. Et pourtant, on avait l'équipe de Marseille, donc c'est plutôt encourageant pour ce week-end. Hein. Alors, récompense rematch. Normalement, nous avons fini D5. Voilà, D5 avec les 8 victoires. Donc, ce qui va nous donner 2 packs joueurs jumbo, 2 packs or rare et 2 packs jumbo. Allez, vamos. Il nous reste 2 packs vendables. Allez, pack jumbo, non vendable, et après, on se garde ce qui peut nous rapporter de la tunasse. Oh, à gauche! Ah. Ah.
Rodri, pas vendable, dommage. Un petit 87. Hey, 87 les gars, attention. Attention, la prétie peut passer. Pack méga. Allez, il faut que ça se lève à gauche. Ah, le boost. Allez, Sorlotte, dommage. C'est dommage. Alors là, on aurait pu avoir l'énorme troll. Mais là, on savait que l'autre était en noté doublé. C'est pas mal. Notre grand attaquant. Ça va être notre grand attaquant. Petit doublon sympa. Un petit 1500, pourquoi pas. Alors, Sorlotte aux fraises. Sorlotte aux fraises. Taninaninanina. Est-ce qu'on le garde pas quand même, Sorlotte? On s'en fout, même s'il descend plus bas. On a pas eu des trucs nuls. On a pas eu des trucs fous. On a même pas eu des trucs nuls. Non, je sais pas ce que vous en pensez, même pas nul quoi. Bon, la qualification est là, c'est bon. Alors, au moment où je filme l'outro, je ne sais pas si j'ai fini à 4 victoires, 6 victoires, etc. J'en suis à 4-3 au moment où je suis en train de filmer l'outro. C'est un petit peu foufou, je sais même pas si j'ai paqué du lourd. Peut-être que j'ai eu de la chance. Le Cédric du passé ne sait pas la chance que j'ai eue. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser le gros like, à vous abonner. C'était Robert87000. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo avec tous les packs de la semaine. Bisous à tous. Ciao les gars.